Arpège en sol mineur et plat de résistance. On nous présente l'enfant. Il a un pied qui frotte le sol et des cordes. La maman chamane, c'est Julie Ladérac. Je crois qu'on pourrait être n'importe où, n'importe qui. Ce qu'elle nous envoie, on le reçoit. Nous sommes destinataires. Même avant le son, Julie joue fort. L'air a une densité particulière. L'archet est une machette. On avance dans une forêt épaisse. Elle nous fraye un chemin. On est en jour fruit, selon le calendrier lunaire. Jour où le vin goûte bien. Elle plonge son violoncelle dans la cuve de béton anciennement à vin dont on a ouvert une paroi. Elle fait sonner le lieu. D'abord comme un chat qui appuie sur tes genoux avec ses coussinets, puis sort ses griffes, les griffes du violoncelle. Le violoncelle a un corps et nous aussi, vain Dieu, on est hyper vivants. Il ne s'agirait pas qu'on l'oublie. Julie joue fort, elle envoie du bois. Elle me le dit après, fallait que ça joue. Et puis, il y a les arpèges en sol mineur. Ça, c'est une histoire qui date. Les préludes de la cinquième suite, la corde à vide qui résonne. Elle parle de ce langage qu'elle développe depuis 10-15 ans et que parfois ça la rattrape, c'est dans ses doigts. À un moment, t'acceptes que tu as un langage, que ton impro se nourrit de ce que tu apprends en musique écrite. Elle dit, à l'époque de Bach, les mecs, ils improvisaient à fond. Bach écrivait grâce aux impros des musiciens, des élèves. L'impro, c'est pas que un truc du XXe siècle. Elle dit, dans Bach, il y a beaucoup plus de liberté que ce qu'on croit. Yann dit que la musique de cette virtuose peut s'apparenter aux montagnes russes, avec l'émotion qui navigue de haut en bas et en général les larmes qui coulent lentement, de joie aussi. Comme dans ce texte de Gerasim Louka, « Prendre corps ». Tu me vertiges, tu m'extases, tu me passionnément, tu m'absolues, tu me mystères, tu me bacs, tu m'arpèges, tu m'improvises, tu me joues, tu me violoncelles. Thank you.
Thank you.
Magnifique, bravo. Super, c'est un petit voyage, merci pour votre écoute.